Bonjour à tous et bienvenue sur Amazing Mac TV. Dans cette vidéo, on va faire le point sur les rumeurs concernant iOS 13 qui devrait être dévoilé en juin 2019 lors de la WWDC. Et on va se consacrer simplement aux rumeurs les plus probables et on commence donc par celle qui est sans doute la plus certaine, c'est l'arrivée d'un mode sombre comme sur Mojave l'année dernière. Alors on avait bien un pseudo mode sombre dans Accessibilité qui était déjà disponible, mais franchement rien de concluant, et ça ne marchait pas partout. D'autre part, donc grâce à un mode sombre que beaucoup de gens attendent en tout cas, ça va permettre de consommer sans doute moins au niveau des batteries, ça c'est plutôt pas mal. Autre nouveauté, elle concerne la disparition de l'encart gigantesque qu'on avait lorsqu'on appuyait sur le bouton plus ou moins du volume. On aura quelque chose de bien plus discret, sans doute en haut à gauche. Alors c'est un petit peu étonnant, moi j'aurais plutôt vu ça dans une mise à jour mineure, pourquoi pas 12.3, mais pour l'instant les bêtas de 12.3 ne présentent pas du tout cette disparition d'encart, donc ça sera sans doute pour iOS 13. Autre nouveauté, la possibilité d'utiliser une souris alors filaire et pas sans fil sur les iPads, pourquoi pas, mais ça serait simplement dans Accessibilité, alors c'est peut-être un test pour donner cette possibilité à plus grande échelle. On voit encore sans doute un rapprochement d'iOS et de macOS de plus en plus se profiler à l'horizon. Dans le même état d'esprit, la possibilité de faire de la recopie de son iMac sur un iPad, alors ça existe déjà avec des logiciels tiers, mais là ça serait peut-être intégré directement à macOS 10.15, et donc on aurait sans doute besoin d'iOS 13 pour faire ça. Ça aussi c'est pas mal de pouvoir avoir une sorte d'écran étendu de son iMac directement sur l'iPad. Autre nouveauté, un POM Z pour iOS. Alors concrètement, c'est lorsqu'on se trompe, au lieu de secouer, puisqu'on peut déjà le secouer l'iPhone ou l'iPad pour annuler une action, on aura un geste à trois doigts pour annuler une action. C'est plutôt pratique. Autre nouveauté, avoir la possibilité au sein d'une même application d'avoir plusieurs fenêtres. Alors certes, on peut avoir plusieurs applications avec Split View notamment, mais là, on aura directement, depuis une application, si l'application le permet évidemment, plusieurs fenêtres, ça aussi c'est pas mal. Un truc auquel je crois vraiment pas du tout, c'est la possibilité de customiser son écran d'accueil, un petit peu comme Android, mettre des applications là un peu où on veut, n'importe quoi, enfin, je crois pas du tout qu'Apple aille dans cette direction-là, mais c'est une des rumeurs pour iOS 13, mais à prendre vraiment avec des pincettes. Autre nouveauté fort probable, l'application mail qui changerait, puisque celle pour macOS 10.15 va aussi changer, il y aura pas mal de nouveautés apparemment. Là, on aura une réorganisation de l'application mail avec des nouveaux dossiers où on pourra mettre certains mails triés par type, comme par exemple mail pas important, etc. Et pour terminer, les nouveautés d'iOS 13, en tout cas les rumeurs de nouveautés d'iOS 13, la possibilité d'ajouter des polices d'écriture plus facilement sur iOS, notamment en passant par l'application réglage, on verra ce que ça donne. Voilà pour les rumeurs de nouveautés d'iOS 13, alors c'est très rare qu'il y ait autant de rumeurs sur une sortie d'iOS un mois avant sa sortie. Évidemment, toutes les nouveautés ne sont pas exhaustives, il y en aura sans doute plein d'autres. On verra ça dans un mois, au mois de juin 2019. Je vous ferai une petite vidéo récapitulative, évidemment, de toutes les nouveautés. Moi, je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à partager, à liker la vidéo si vous avez aimé, et à vous abonner, à bientôt !